Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, pour le week-end. Donc on va regarder quel message se dégage pour le 13-14 janvier 2024. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On prend d'abord le Guilded Rêverie, le Petit Lenormand. Et ensuite, on prendra d'autres oracles. Bon, on a eu une nouvelle lune. On est dans les énergies de la pleine lune, hein, de la nouvelle lune, en Capricorne. Donc, j'ai fait tout un post à ce sujet sur mon Instagram. Si vous ne l'avez pas vu, bah, vous pouvez y aller et vous abonner, me rejoindre là-bas. Merci. Donc, la nouvelle lune en Capricorne, on prépare, on organise, on structure, on planifie les fondations de nos futures entreprises. On s'écoute, on est calme, posé, ancré, aligné, recentré et on agit en étant bien structuré, en cadrant bien les choses. On a eu aussi un portail énergétique le 11-1, hein, le 11 janvier, donc manifestation possible, abondance possible, on est dans des énergies très puissantes, donc énergie de renouveau, de commencement. C'est maintenant. Allez-y. Alors, donc pour ce week-end, qu'est-ce qu'on a comme message? Donc, je rappelle que c'est un tirage général, hein, ce n'est pas une guidance personnalisée. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne et laissez le reste de côté. Si c'est pour vous, c'est pour vous. Si ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous. Il y aura d'autres messages à d'autres moments. OK? Si vous avez besoin de plus de conseils perso, d'un thème astral karmique, de suivre ma formation tarot et intuition, que je vous laisse en ce moment à 44€ au lieu de 152€. Donc profitez-en, ça vous fait plaisir. Elle est très populaire, donc merci beaucoup. Donc je vous la laisse en ce moment à ce prix-là. Donc allez-y, c'est pour vous. Via mon site ou vous m'envoyez un petit mail si vous avez des questions. Avec plaisir. Alors, ce week-end, on reçoit des nouvelles, des nouvelles par rapport à sa famille, des nouvelles par rapport à un enfant, à ses enfants, peut-être parce qu'il y avait des questionnements, des doutes, des soucis, des difficultés, peut-être par rapport à un nouveau projet ou par rapport à vos enfants, à votre famille. Bon, c'est une nouvelle qui apporte des solutions, hein. Un courrier, un mail. Pour vous, si vous êtes une femme, ou pour une femme proche de vous, par rapport à vos enfants, à des enfants, ou un nouveau projet qui bloquait un petit peu, ou il y avait peut-être des craintes, ou des petites choses à revoir, analyser, repenser, refaire. Bon, bah, y a une solution, il y a au moins une solution, hein, pour arrêter de trop se prendre la tête. Voilà, là, il y a un cadeau qui vient mettre fin à une période lourde et pesante, à des difficultés, qui ramène la foi, qui ramène un bel espoir. Voilà, un gros coup de pan, un gros coup de panse. Un gros coup de pouce, un gros coup de chance sur un nouveau projet ou par rapport à un projet lié à vos enfants, ou si vous avez une activité par rapport à des enfants. Alors, il y a peut-être un voyage, un trajet, un déplacement pour un nouveau projet, pro ou perso, qui est très plaisant, hein. On sort de sa zone de confort, là, voilà. On va peut-être à l'étranger, ou on rencontre peut-être quelqu'un d'origine étrangère, ou c'est peut-être un projet à l'étranger, hein, pro ou perso, peut-être un voyage en famille, peut-être un nouveau projet pro à l'étranger. On va clôturer, ouais, on va rencontrer quelqu'un, hein, une rencontre, une visite, un entretien, quelque chose de très joyeux, peut-être avec une femme ou quelqu'un qui a une énergie très yin. On va transitionner là, on va transmuter quelque chose et transformer une situation pour aller vers le fait de régler la situation. Alors il y a peut-être des négos, des communications, mais il y a définitivement un voyage, hein, un déplacement pour une rencontre, un rendez-vous ou des déplacements liés à ce nouveau projet, pro ou perso. Beaucoup d'échanges et de communication. C'est vraiment une solution qui arrive un petit peu par surprise, hein.
inattendu, mais attendu. Vous l'espérez, mais ça arrive quand et comment vous vous y attendez pas. En dododeck, on a le soleil. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Peut-être un projet au soleil, hein, dans un pays au chaud, ou une ville au chaud, ou bien, de toute façon, c'est quelque chose de très heureux, hein. C'est une nouvelle voie qui s'offre à vous. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc, que ce soit pro ou perso, là, il y a du renouveau, hein. Inattendu, inespéré, attendez l'inattendable, hein. Parce que là, il y a des échanges très positifs. Un beau coup de pouce de l'univers qui répond à vos demandes, vos besoins, vos attentes, hein. Donc peut-être vous avez envoyé des candidatures et vous allez passer un entretien pour travailler à l'étranger, pour une expatriation. Peut-être vous avez demandé de faire une formation ou une année au pair en Australie, je ne sais pas. En ce moment, c'est l'été là-bas, donc c'est cool. Allez, on prend l'oracle de la triade. On va demander des confirmations, des précisions, des messages, énergie, info. Et ben voilà, elle ne voulait pas venir pour le week-end. Pardon. Y en aurait-il parmi vous qui auraient besoin de se pardonner ou de pardonner aux autres? Ho'oponopono. Je vous recommande, hein, comme d'habitude. Ça marche très bien. Voilà, message. Communication. Échange, nouveau départ, abondance. Bon. Peut-être vous avez besoin de vous pardonner pour manifester une opportunité, pour vous donner la paix, aller de l'avant. Ça ne veut pas dire oublier, renier. Ça veut dire se foutre la paix et passer à autre chose. Et là, l'univers répond à ces nouvelles énergies et vous envoie une bonne nouvelle, une opportunité, un message pour un nouveau départ. Et qui génère quoi? Liwalou. En dos de deck, on a adversaire. Peut-être c'est vous, hein, votre propre adversaire. Peut-être vous vous auto-sabotez par moment, comme beaucoup d'entre nous. Hein. Mais vous avez la protection sur le renouveau. Il faut vous faire justice là où peut-être on vous fait justice. Peut-être vous recevez une bonne nouvelle qui rétablit l'équilibre, l'équité, la justice, la justesse dans votre vie. Voilà. Vous pardonnez pour une naissance, une renaissance. Un nouveau projet. Là, c'est vraiment, ça vient vraiment corroborer le soleil, les énergies de tout à l'heure. Une communication qui vient du soleil ou très heureuse et ou très heureuse pour vous si vous êtes une femme ou qui vient d'une femme proche de vous. Mais là, il y a un nouveau départ pour une femme ou quelqu'un qui a une énergie, une renaissance, une naissance pour quelqu'un qui a une énergie très yin ou une femme. Voilà, tout vient à temps, en temps et en heure. À point nommé, pas avant, pas après, vous le savez, hein. Voilà, après peut-être une période de sacrifice, de pénitence, de souffrance, de peine, peut-être vous en êtes bien rajouté une couche, peut-être vous vous êtes bien auto-flagellé, auto-saboté. Bon, bah maintenant il est temps de passer à autre chose, de couper les liens et de vous pardonner. Voilà, une porte se ferme, une autre s'ouvre, hein. Il n'en tient qu'à vous, mais la réussite, le renouveau est au bout du pardon. Ouais, arrêtez de vous voiler la face, de vous mentir, de refouler, de renier. Là, il faut faire face pour que ça s'efface et ensuite, l'univers vous aide et vous manifestez. N'oubliez pas qu'on est en mois de janvier, en mois 1, en année 8. Hein, si vous avez écouté les horoscopes en numérologie, c'est die-die, là. On peut récolter, on peut agir, on peut transformer, transmuter, manifester l'abondance, la chance, etc. Donc là, on y va. C'est le moment de décider d'agir et d'y aller. Allez, on prend un message sentimental amoureux avec les anges de la romance pour ce week-end. Treize, 14 janvier 2024. Zut. Bon, faites comme si vous n'avez pas vu. Allez, trois cartes, trois messages. Vous choisissez là où les cartes qui vous attirent le plus
sans trop réfléchir. Carte réponse numéro 1. Attraction, attirance, vous attirez l'amour romantique en appréciant et en vivant pleinement les moments présents. N'oubliez pas ce qu'on a dit tout à l'heure, la manifestation, le pardon, couper les liens et aussi pour se foutre la paix et aussi être dans l'instant présent, bien sûr. Voilà, vous prenez si ça vous parle, si ça résonne, sinon vous laissez de côté. Libérez-vous, c'est le moment de reprendre les rênes de votre vie. Carte réponse numéro 3. Pardonnez et apprenez. Bon, il n'y a pas de hasard, hein. Plus vous relâchez et guérissez le passé, plus vous expérimentez de l'amour, de l'abondance dans les moments présents. Oups. Pardon, pardon, pardon. Il est temps de vous pardonner. Bon, j'espère déjà que ça vous parle et que ça résonne, hein, c'est le but. Si vous aimez ce que je fais, on va prendre un autre message, mais j'en profite pour vous remercier. Et si vous aimez ce que je fais, merci de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, ça me fait super plaisir. Merci de faire vivre la chaîne, d'encourager à continuer. Et que ce soit en privé et ou ici sur les réseaux, ça fait très plaisir, donc merci beaucoup. Allez, on prend un dernier message, enfin plutôt trois derniers messages avec l'oracle Gateway de Denise Lynn. Pour ce week-end 13-14 janvier 2024. Alors, regardez plus loin, plus profond à l'intérieur de vous. Regardez comme vous brillez, comme vous êtes beau et belle. Écoutez les réponses à l'intérieur de vous, les messages de votre âme. Mais pour ça, il faut faire le silence. Introspection. Voilà, le silence, la quiétude, le calme, de là naît mon pouvoir et la lumière. Et faire la différence. Ma lumière intérieure brille très loin, très très loin, et plus loin que je ne le pense. Et partout, elle s'expanse. Vous pouvez faire la différence en vous, autour de vous. Il faut croire en vous aussi. Hein. Bon, j'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire, parce que vous savez que j'adore vous lire. Moi, je vous souhaite bien évidemment un très très beau week-end. J'espère que j'ai presque fini de mettre en ligne les horoscopes de janvier 2024. Donc j'espère que vous regarderez toutes les vidéos de vos signes pour avoir des compléments d'infos utiles intéressants, parce que le signe solaire, ça ne fait pas tout. Loin de là. Et bah voilà, amusez-vous, profitez-vous, prenez soin de vous, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté!